dans la présentation que je vous propose ici, il y a tout d'abord une présentation des mécanismes d'effondrement. Après, on va essayer de faire un bilan. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la situation actuelle. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi derrière essayer de se poser la question du quoi faire face à ces constats. Alors, remarquons d'abord qu'il existe plusieurs types d'effondrement de civilisation. Alors, il y a deux classes importantes. Il y a des effondrements de type structurel et des effondrements de type biophysique. Alors, il y en a d'autres. Hein. Là, c'est les effondrements les plus importants. Alors, l'effondrement de type structurel consiste en fait en une simplification rapide des structures sociétales. Alors ici, les structures sociétales, on va les comprendre en termes de culture, mais aussi en termes d'institutions. Donc, ce qu'on va regarder en fait ici, c'est les organisations, hein, globalement, dans les relations. Et il y aura un élément clé sur lequel va s'articuler les mécanismes. Et en fait, derrière cet élément clé, c'est la complexité. Le deuxième type d'effondrement qu'on va regarder, c'est des effondrements biophysiques. Donc là, ça consiste en quoi? Ça consiste en une chute rapide de la production industrielle, de la production agricole et aussi de la population. Donc ce qu'on va regarder, c'est plutôt des quantités physiques ou des quantités biophysiques. Et l'élément structurel, vraiment le substrat, là derrière, ça va être la question des ressources. Alors ces mécanismes, donc ils ne sont pas aussi isolés. Hein. Par exemple, dans le cas romain, il y a eu essentiellement un effondrement structurel. Mais souvent, quand même, lorsqu'on a un effondrement biophysique, on a aussi un effondrement structurel qui arrive après ou en même temps. Donc c'est des choses quand même qui peuvent être liées. Alors il y a de nombreux chercheurs hein, qui travaillent depuis un certain temps là-dessus. Il y a de nombreuses civilisations qui étaient plus ou moins sophistiquées, plus ou moins à des niveaux de technologie élevés, qui se sont effondrées. Il y a très longtemps, il y a 4000 ans, et même il y a des cas plutôt récents. Si vous voulez connaître un peu mieux ces civilisations, je vous invite à lire le livre de Jared Diamond, qui s'appelle « Collapse », dans lequel donc l'auteur essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'un certain nombre de civilisations se sont effondrées et pourquoi d'autres ont réussi à se maintenir. On va d'abord commencer à comprendre les mécanismes qui sont liés aux effondrements structurels. Alors les travaux qui sont de notre point de vue les plus pertinents là-dessus, c'est les travaux de Joseph Tainter qui ont permis de formaliser ça et d'essayer de comprendre un peu les mécanismes. Alors ça repose sur la notion de complexité. Donc cette notion de complexité correspond en fait à un niveau d'intégration et un niveau de contrôle des comportements, mais il y a aussi derrière une idée qu'il y a une diversification et une spécialisation du système. Donc il y a vraiment ces deux composantes qui sont importantes. Alors pour Tainter, une société, c'est en fait une structure qui est là pour résoudre des problèmes. Et son constat, c'est que ces sociétés ont une tendance irrémédiable à se complexifier dans le temps, tout simplement parce que on est sans arrêt confronté à de nouveaux problèmes, et donc pour résoudre les problèmes, on va rajouter des choses, on rajoute des couches, des institutions, on rajoute des technologies, donc qui complexifient le tout. Et en plus, il y a aussi un côté inertie qui fait qu'on a tendance à ne pas simplifier. Ce n'est pas si facile de resimplifier derrière quand on a créé des choses. Alors la première vraie contribution de Tainter, en fait, c'est de montrer que cette complexité, c'était en fait une fonction économique, qu'elle avait des coûts, des bénéfices, et que en fait, le ratio coût-bénéfice, il évoluait dans le temps. Qu'au bout d'un certain temps, lorsque là, on est à un niveau de complexité, rajouter un niveau de complexité en plus aura tendance à avoir plus de coûts que de bénéfices. Et donc il y a un moment où on va obtenir un optimum, et le moment où la société va obtenir cet optimum de complexité, il va y avoir une boucle de rétroaction qui va se mettre en place, et juste pour que la société puisse se maintenir, que le système puisse se maintenir, il va devoir se complexifier, et donc toujours coûter plus cher et toujours se complexifier, etc. Et à la fin, on va arriver à ce qu'à la fin, cette situation soit intenable. Alors la deuxième contribution de Tainter porte sur le fait qu'il a montré qu'il y avait un lien très étroit, très fort, très direct entre l'énergie et la complexité. Et donc le moment où il y a justement cet effondrement, c'est où il arrive au moment où ce coût de l'énergie est trop cher, est trop important, il devient insupportable pour la société. À propos donc de l'effondrement structurel, on ne peut pas ne pas aussi parler des analyses de Dmitri Orlov. Alors Dmitri Orlov, ce n'est pas un chercheur, c'est on va dire un essayiste, c'est quelqu'un qui a un background plutôt d'ingénieur.
il explique qu'il y a plusieurs stades dans l'effondrement, qu'il y a tout d'abord un effondrement financier, puis un effondrement commercial, puis politique. Derrière, on a un effondrement social et un effondrement culturel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là derrière, en fait, chacun de ces stades repose en fait un effondrement de croyances. Donc c'est un peu ce qui caractérise ces différents stades. Et donc, d'abord, par exemple, donc l'effondrement financier, c'est en fait un effondrement de la croyance dans l'avenir et dans le fait qu'on va pouvoir faire du business, on va pouvoir continuer le business. L'effondrement commercial correspond en fait qu'on ne croit plus dans le marché, on ne croit plus dans la monnaie. Et donc derrière, ça va entraîner des ruptures de chaînes d'importation, ça va entraîner donc des pénuries de biens. L'effondrement politique correspond en fait qu'on ne croit plus à ce que nos États et nos politiques vont résoudre nos problèmes, vont être capables de résoudre nos problèmes. Donc ça va entraîner une baisse de la légitimité des hommes politiques, ça se caractérise par une baisse de la légitimité, aussi une baisse de la capacité donc des gouvernants, de la capacité à agir. Et ça se traduit encore par des régimes toujours plus autoritaires et par exemple aussi une baisse de la qualité des services publics, une dégradation du service public. Alors le quatrième stade, donc l'effondrement social, là ça correspond plutôt à le fait qu'un effondrement de la croyance que dans les institutions sociales et locales, dans le sens spatial et au niveau des relations. Et donc ça va être local, c'est en général lié au fait que les associations, elles manquent de ressources. Et aussi, c'est lié au fait qu'il y a des conflits internes qui, en général, arrivent suite à ça. Et donc, il reste le stade de l'effondrement culturel. Il correspond, en fait, où les sociétés perdent leur capacité dans la générosité, dans l'honnêteté, dans la compassion, dans l'empathie, dans la charité. Donc voilà, donc, en fait, ces différents stades correspondent en fait, à des différents niveaux de profondeur d'éléments constitutifs des sociétés. Hein. Et donc il y a quand même un ordre logique dans ces différents stades, donc comme je l'ai dit, financier, commercial, politique, social et culturel. Mais par contre, Ostrov il le dit très bien, lorsqu'il y a un effondrement, ces effondrements, c'est pas séquentiel, c'est vraiment, on a tout qui s'effondre un peu de manière parallèle, les choses commencent à descendre en même temps, il y a évidemment des rétroactions entre ces différents phénomènes. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de parler de tout ça? Je pense que c'est pour bien comprendre que ces effondrements, ce n'est pas quelque chose de binaire, c'est-à-dire qu'on est dans un stade et pop, tout s'effondre et puis voilà, ce n'est pas binaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de stades, il y a plein de niveaux, et quand on est déjà à un certain stade, on peut aller encore plus bas. Et c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se désarmer, il y a des problèmes, ça se dégrade, ça va s'effondrer. La question c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas descendre plus bas? Alors maintenant on va basculer sur les effondrements biophysiques, on va essayer de comprendre les phénomènes qu'il y a derrière et les mécanismes. Alors les meilleurs travaux de notre point de vue qui permettent de comprendre ça, c'est les travaux du Club de Rome. Le fameux rapport Meadows. Alors ça, c'est donc des travaux qui ont été dirigés par Denis Meadows, hein, qui était chercheur au MIT. Donc ça consistait d'abord à... Ils ont élaboré d'abord un modèle numérique qui représentait le monde avec les différentes classes. Donc il y avait les populations, la production industrielle, la production agricole. Il y avait la pollution et les ressources. Et donc ces grandes variables interagissaient entre elles. Bien entendu, elles étaient désagrégées, elles étaient à des échelles plus fines. Mais là, donc ça, c'est les variables agrégées de ce système. Et il est sorti un livre dans les années 70, un rapport qui est donc été publié, qui a fait beaucoup de bruit. Il est sorti en 12 millions d'exemplaires, en 37 langues. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact important à l'époque. Et c'est un travail qui a été mis à jour relativement récemment, en 2004. Alors, quels sont l'analyse la plus saillante là-dedans, c'est le fait qu'on peut identifier trois ingrédients dans ces effondrements biophysiques. Alors tout d'abord, on a la croissance, il faut qu'il y ait un phénomène de croissance. Derrière, on a des limites, le système a un certain nombre de limites.
et que le système a aussi de l'inertie. Et lorsqu'on a ces trois ingrédients, le système a tendance à dépasser ses capacités et derrière, on érode les limites et on arrive à un effondrement du système. Alors donc, là, j'ai donné l'exemple d'une courbe, donc ça peut être n'importe quelle des variables que j'ai citées tout à l'heure et la limite donne la capacité de charge du système, de la variable. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que le système, lorsqu'il y a une limite, eh ben, il va s'arrêter doucement à la limite. Mais en fait, le système qui est lié à nos sociétés, il n'est pas comme ça, tout simplement parce qu'on peut dépasser les limites. Et donc, c'est par exemple le cas actuellement. Déjà en 2007, on consommait une planète 1,3 par an. Donc ça, c'était l'empreinte mondiale de l'humanité qui est donnée par le Global Footprint Network. Alors, comment est-ce possible de consommer une planète? Alors, c'est probablement aujourd'hui, c'est une planète et demie. Comment c'est possible de consommer une planète et demie par an? Alors, en fait, ça vient du fait qu'on a des flux et des stocks. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple des poissons. Donc là, on a, par exemple, dans l'Atlantique, on avait un certain stock de poissons. Et donc, on pouvait pêcher autant que ce que les animaux se reproduisaient et on n'affectait pas le stock. Donc, on a un flux qui correspond à la quantité de poissons qu'on va pêcher. Donc, on va avoir une limite sur le flux. Et tant qu'on ne pêche pas plus que ce qu'il y a de poissons qui naissent, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on peut le faire. C'est-à-dire que vu qu'il y a du stock, on va pouvoir pêcher beaucoup plus. Mais par contre, quand on va pêcher dans le stock, on aura moins une population de poissons moins importante et du coup, le taux de reproduction, la quantité de poissons disponibles lors de la reproduction, il sera inférieur. Et donc, du coup, derrière, on va éroder la limite. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a érodé la limite, c'est plus possible d'arriver à refaire un atterrissage en douceur. On va devoir aller beaucoup plus bas. Et donc derrière, par inertie, on descend même encore plus bas que ce que la limite existe. Et donc on a vraiment ce phénomène d'effondrement. Alors, donc le Club de Rome n'a pas seulement fourni des analyses. En fait, il y avait le modèle World Tree qui avait été élaboré. Donc ce modèle, c'est un modèle numérique qui a permis de faire des simulations. Alors voilà donc un résultat type de ce qui est sorti du modèle World Tree. Donc là ici, je représente les cinq grosses variables que j'ai décrites tout à l'heure. Les ressources, la nourriture, les populations, la pollution et la production industrielle. Et donc le Club de Rome avait travaillé dans les années 70 et donc là j'ai affiché les données. C'était les données qu'ils avaient utilisées à l'époque. Donc après ils peuvent faire tourner leur modèle. Donc ici, c'est dans le cas du scénario business as usual, le scénario de référence, c'est-à-dire qu'on ne change pas de politique, on garde les politiques qu'on avait avant. Et donc derrière, on a toutes ces variables, globalement, qui montent. Et puis quand on continue un tout petit peu plus loin, tout qui s'effondre. Alors bon, globalement, on a un effondrement autour de 2020, 2030, selon les cas, selon le scénario. Ce qu'il faut voir, c'est que ces outils-là, ils ne permettent pas de faire de la prédiction. Ils n'ont pas la prétention de faire de la prédiction. L'objectif, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, d'essayer de comprendre les mécaniques, et puis aussi, ça permet d'imaginer des scénarios. Alors, le genre de scénario qu'ils ont exploré, par exemple, c'est donc de dire, on va probablement découvrir de nouvelles ressources. Par exemple, on a découvert, et c'est vrai, plein de ressources fossiles, mais on avait quand même le système qui s'effondrait derrière, à cause principalement de crises de pollution derrière. Alors, on a tendance à croire aussi que la technologie va nous sauver, donc eux, ils ont aussi essayé des scénarios qu'on appelle hyper technologiques. Et donc là, ils avaient vraiment une volonté d'essayer de voir s'ils étaient capables d'arriver à trouver des scénarios dans lesquels il n'y avait pas un effondrement, mais une stabilisation de la population. Donc ils ont quand même réussi, mais ça a été assez dur, visiblement. Mais donc ils y arrivent dans un cas où ils font des hypothèses de ressources abondantes et en plus des hypothèses hyper optimistes où on arrive à inventer les technologies qu'il faut et puis surtout à les développer, à les déployer dans les temps qu'il faut, etc. Bon. Alors, dans ce genre de modèle, ils arrivent à stabiliser la population, même si c'est laborieux. Par contre, on remarque qu'on a quand même une chute de la production. Donc, il y a quand même une chute de la production industrielle, c'est-à-dire une baisse du niveau de vie, entre guillemets. Et surtout, il y a une explosion des coûts, en fait, qui n'apparaissent pas ici. Ces genres de modèles ont des limites. Et ces limites-là, en fait, ce modèle-là, il ne prend pas vraiment en compte les phénomènes d'effondrement que définit Tainter. D'effondrement structurel lié à la complexité. Et on peut clairement imaginer que dans une telle configuration,
on se retrouve dans un cas où les mécanismes décrits par Tainter pourraient se déclencher et on arriverait de toute façon à un effondrement de type structurel. Donc voilà, donc ces modèles, ils ne sont pas censés prédire l'avenir. Ils sont censés nous donner un ensemble de choix. Par contre, ils permettent de voir qu'est-ce qui est peu probable. On est capable de voir si on se rend compte si les scénarios sont probables ou pas. Et malheureusement, la conclusion de tout ça, c'est qu'il sera peu probable qu'on arrive à éviter un effondrement, c'est-à-dire une diminution très forte de la production industrielle, production agricole et de la population au cours du XXIe siècle. Alors, où en sommes-nous ? Alors, on va commencer d'abord par l'effondrement biophysique. Alors, on a dit qu'il y avait trois ingrédients, la croissance, la limite et l'inertie. Alors, la croissance. Alors, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la population humaine, elle a explosé. C'est plus qu'exponentiel. Hein. Aujourd'hui, on est à 7,4 milliards. On est encore bien plus haut. Mais en fait, presque tous les indicateurs de ce qu'on a consommé, ça a vraiment explosé dans ce dernier siècle. À commencer par l'énergie. L'énergie primaire a été multipliée par 7 en un siècle, et par personne. Et ce, malgré le fait qu'on ait augmenté l'efficacité, c'est-à-dire que l'efficacité a été globalement augmentée par 3, grossièrement. Et à la fin, on arrive à ce que, en termes de services énergétiques, on a augmenté notre capacité par 100 en un siècle, lorsqu'on multiplie tout ça. Ce qui est colossal. Et du coup, ça a permis de faire quoi ? Ça a permis de raser des forêts, ça a permis de faire des maisons, des routes, des aéroports, de transporter tout à travers le monde, avec des cargos, des avions, tout ce qu'on voulait. Donc cette énergie est colossale et elle nous a permis donc de consommer aussi de toutes sortes de choses et d'augmenter cette croissance. Donc par exemple, la consommation de métaux a été multipliée entre 10 et 15 dans un siècle. La consommation de viande a été multipliée par 2 en 50 ans par personne. La consommation de céréales a été multipliée par 3,5 en 50 ans. Donc, voilà, on est vraiment sur un phénomène de croissance. Alors, on pourrait multiplier les indicateurs. Je pense que ça suffit. C'est suffisamment convaincant. Alors, la question des limites et de leur érosion. En fait, aujourd'hui, on a déjà largement entamé les fondements de la civilisation humaine. En particulier l'eau. Il y a une partie très large du globe aujourd'hui qui est en stress hydrique. On a en particulier 50% de la population mondiale qui vit dans des régions où les réserves d'eau diminuent à cause d'une exploitation trop importante des nappes aquifères. On a 70% des récoltes aujourd'hui qui sont destinées à l'irrigation et 40% des récoltes mondiales qui proviennent des terres irriguées. Autrement dit, la marge de manœuvre est très faible. Et le jour où on aura vraiment des problèmes en eau, ça va tout de suite se répercuter sur les récoltes. Alors le substrat le plus important quelque part aussi, c'est le sol. Donc il faut bien voir que la qualité de nos sols, le fait qu'ils soient fertiles, c'est lié à l'existence d'une couche très fine de terre qui s'appelle l'humus, qui mesure à peu près une trentaine de centimètres et qui a mis plusieurs centaines de milliers d'années pour se créer. Et aujourd'hui, donc cette terre, elle est en train de partir, cette couche d'humus est en train de disparaître et on a 25% de la surface continentale qui est en voie de désertification. Ça menace la vie quotidienne de plus d'un milliard de personnes, que ce soit des agriculteurs, des éleveurs, mais et ça dans plus d'une centaine de pays. Alors il y a les déserts hein, qui progressent aussi, l'accélération est alarmante. Dans les années 60, les déserts ont augmenté de 1500 km par an. Aujourd'hui, on est autour de 3600 km par an d'extinction des déserts. Alors ça, et ça ne touche pas que les zones désertiques, hein, ça nous touche aussi, et ça touche aussi donc l'agriculture hein, directement, parce qu'on a vraiment aujourd'hui dans le monde, on a un tiers des terres agricoles qui sont soumises à l'érosion excessive, et des scientifiques ont démontré que chaque fois qu'on perd un centimètre de couche de terre arable, derrière on avait le rendement qui baissait de 2,5%, en particulier donc pour un certain type de céréales. Et donc ça nous touche, nous, en Europe et en France. Et en France, on a 20% des terres agricoles, dont 2 tonnes de terre par hectare disparaissent dans les rivières. Bon, on peut rajouter à ça tout ce qui est artificialisation du sol. En gros, on bétonne aussi entre les parkings, les maisons, les routes. Il y a à peu près un département qui disparaît tous les 10 ans, qui est bétonné. Alors, troisième, on va dire, élément ici, c'est le climat.
Alors, je pense que tout le monde connaît le problème du changement climatique aujourd'hui. Donc, on sait très bien que ça va avoir un impact en termes de changement de pluviométrie. Donc, on va avoir des événements extrêmes qui seront plus fréquents et beaucoup plus intenses. Et que ça, donc, ça va avoir un impact sur notre agriculture. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que les impacts les plus importants du changement climatique, ça sera les impacts indirects, et en particulier les impacts liés à l'élévation du niveau de la mer. Donc en fait, là, quand on lit les analyses de Lester Bourne, il spécifie par exemple que l'élévation d'un mètre du niveau de la mer impliquerait que 50% des rizières du Bangladesh seraient submergées. Au Vietnam, le delta du Mékong serait submergé. Dans ce delta, on produit 50% du riz qui est produit dans le Vietnam, et le Vietnam, c'est le deuxième exportateur mondial de riz. Alors, un mètre, c'est un exemple gentil parce que, en fait, ça pourrait aller de 6 à 12 mètres. Mais l'élément peut-être probablement le plus important sur le climat, c'est la fonte des glaciers, en fait. La fonte des glaciers va avoir un impact colossal pour la sécurité alimentaire mondiale parce que ces glaciers, en fait, ils vont alimenter les fleuves pendant les saisons sèches. Et du fait que les nappes phréatiques, elles baissent, on peut imaginer que dans l'avenir, ça va être très, très difficile en période de saison sèche pour l'agriculture. Et il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard d'individus en Chine et en Inde qui dépendent directement de ce système hydrique qui est alimenté par les glaciers de l'Himalaya. Donc ça nous affectera aussi, hein, parce que par exemple les Alpes, hein, tous les glaciers du monde sont concernés, ils sont en train de fondre presque à vue d'œil. Et donc ça va nous toucher aussi en Europe et en France. Alors, donc, il y a encore d'autres éléments qui sont extrêmement importants qu'il faudrait mentionner, comme l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, l'extinction des espèces, elle est 100 à 1000 fois plus importante que l'extinction normale qu'il y a eu à long terme. Il n'y a plus de poissons dans les mers, il y a des polluants de toutes sortes aujourd'hui partout. Donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez jeter un œil aux différents livres de Lester Bourne qui fait des bilans très bien faits. De l'état du monde et de ce genre de choses. Donc là, on a vu les deux premiers ingrédients, la croissance et puis la question des limites. Maintenant, la question de l'inertie. Est-ce qu'on va être capable d'agir? Est-ce qu'on est capable d'agir? Alors, il y a un certain nombre d'obstacles, en fait, qui sont très importants, qui nous empêchent d'agir. Alors, les premiers obstacles, ils sont tout d'abord d'ordre cognitif et d'ordre anthropologique. Tout d'abord, par exemple, nos sens, ils ne sont pas équipés pour capturer les changements globaux, que ce soit le climat ou la biodiversité. On a beaucoup de mal à capturer ces changements globaux. Donc les scientifiques peuvent nous aider, hein, ils sont là, ils nous apportent de l'information, mais malgré ça, on a beaucoup de difficultés à comprendre les phénomènes qu'il y a derrière, qui sont exponentiels en général, qui sont non linéaires. Et aussi, on a beaucoup de mal à comprendre les événements à faible probabilité, c'est-à-dire que ces fameux signes noirs, donc ça, c'est des choses qu'on a du mal à assimiler, et donc du fait qu'ils freinent notre action là-dedans. Après, en plus, on est un peu codé pour réagir aux dangers immédiats et pas forcément à ce qui est lointain et puis dans le temps ou dans l'espace, en fait. Alors, il y a des obstacles aussi moraux qui sont liés au fait qu'on a du mal à cerner notre responsabilité. Si je me sentais responsable, ben j'agirais, alors que là, vu que ma responsabilité est complètement noyée, c'est extrêmement difficile d'agir. Par exemple, est-ce que le monde serait différent si j'étais pas né? Ça, c'est clair qu'il serait probablement exactement le même. Et si je ne prenais pas ma voiture, le jour qu'il y a un pic de pollution, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Alors, il y a un certain nombre d'obstacles idéologiques. Alors là, je donnerais juste le fait qu'on a cru, on croit tous dans l'avenir, on croit dans les technologies, on croit dans le progrès. Il y a des obstacles politiques qui sont très importants. Évidemment, tout le monde n'a pas intérêt à ce qu'on se batte, par exemple, contre le changement climatique. Il y a aussi des verrous socio-techniques qui sont extrêmement importants. Alors là, je référerais au très bon livre de Servigne. Bon, je donne un exemple de verrous socio-techniques, c'est la voiture. C'est-à-dire qu'on a installé des systèmes dont il est très difficile de sortir. Aujourd'hui, on a utilisé la mobilité qui est la voiture, on a installé des infrastructures, nos villes sont organisées pour être compatibles avec la voiture, et c'est très difficile d'organiser maintenant des nouveaux transports en commun, de repenser nos sociétés, nos villes. De changer ce système-là, c'est extrêmement difficile. Il y a des obstacles institutionnels, par exemple politiques, nos institutions politiques, par exemple, elles favorisent le court terme. Il y a aussi donc des obstacles, on va dire, sur les institutions économiques.
il y a une situation où on est enfermé dans une logique de croissance à laquelle il est très difficile de s'affranchir. Et enfin, la complexité qui est là derrière, c'est-à-dire que tout est hyper complexe. Il y a une multiplicité des acteurs qui ont des intérêts différents. Tout est extrêmement difficile et compliqué. Il faut toujours prendre en compte beaucoup de choses, qui fait qu'à la fin, on ne s'en sort jamais. Alors, dans l'inertie, je donnerai aussi donc juste un exemple concret qui montre à quel point ce n'est pas facile. Alors, c'est l'exemple des CFC. Et donc de la couche d'ozone. Alors, à la fin des années 70, donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème avec la couche d'ozone qui était en train de disparaître à certains endroits du globe. Donc il y a eu une première alerte en 1974 par les scientifiques, et il nous a fallu 25 ans derrière pour arriver à résoudre ce problème, en partie en tout cas. Alors que ce problème était relativement bien identifié, avec un impact économique faible, les technologies derrière étaient relativement simples, et on a mis 25 ans pour résoudre ce problème-là. Donc c'est une bonne chose, hein, ça montre qu'on arrive à résoudre des problèmes. Par contre, quand on pense au temps qu'il a fallu pour faire ça et à l'ampleur de la tâche pour décarboner l'économie, on peut vraiment se poser des questions sur le temps qu'il faudra pour arriver à résoudre nos problèmes liés aux énergies fossiles. Alors, donc on se rend compte que tout sur le plan donc de l'effondrement biophysique, tous les ingrédients sont là, la croissance, la limite, l'inertie, et on peut vraiment s'interroger sur la conclusion de tout ça. Donc probablement, ça va être difficile, on aura tellement érodé les limites que ça va être difficile de restabiliser derrière le système. Alors on va basculer maintenant sur l'effondrement structurel. Donc là, on a tous remarqué l'explosion de la complexité. On vit dans un monde hyper connecté, hyper complexe. En particulier, il y a l'interconnexion très très forte du système financier, commercial et industriel, qui est liée à la mondialisation. Hein. On peut voir l'exemple des smartphones est très connu, toute la high-tech est très connue. En général, ils sollicitent toutes les parties du monde. Là, je donne deux exemples de complexité qui viennent du livre aussi de Servigne, qui est l'exemple du Boeing 747. Donc pour construire un Boeing 747, il faut quand même assembler 6 millions de pièces. Il y a 6500 fournisseurs qui sont répartis sur 100 pays, et Boeing a, donc pour faire ses avions, 360 000 transactions financières par mois. Donc c'est colossal. Pour donner aussi un autre exemple dans un autre registre, par exemple les accords de Bâle. Les accords de Bâle, donc, ils sont censés assurer une sorte de solidité financière des banques au niveau international. Donc ils étaient constitués de 30 pages, en fait, c'était un document de 30 pages dans les années 80, et aujourd'hui, donc, c'est un document de 616 pages. Et si on prend en compte la documentation nécessaire aujourd'hui pour implémenter les accords de Bâle, hein, juste aux États-Unis, en fait, les documents, ils pèsent 30 000 pages aujourd'hui. Donc on est vraiment, juste pour les États-Unis, hein, donc on est vraiment dans une hyper-complexification des systèmes qui sont devenus très hiérarchiques, très spécialisés, avec beaucoup de contrôle. Donc on est vraiment dans toute cette complexité que définit Tainter. Et aussi même sur la question de l'énergie, parce qu'en fait l'humanité donc a joui d'une énergie énorme. On a découvert plein d'énergies fossiles, on les a consommées goulûment. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces énergies fossiles, elles sont toujours très nombreuses, mais par contre, c'est beaucoup plus cher d'aller les extraire. Et c'est un peu ce qui a causé typiquement la crise actuelle. Hein. C'est-à-dire qu'en 2006, il y a eu une augmentation du prix des énergies fossiles, du pétrole. Derrière, ça a ralenti l'économie, et c'est ça qui a engendré la crise financière derrière. Donc on est vraiment dans ces mécanismes-là qui étaient décrits par Tainter. Alors juste, on pourrait aussi revenir sur Orlov. Je pense que quand je vous ai décrit les différents stades, globalement, on s'est tous dit, bah là, on y est un petit peu quand même. Hein. On voit très bien que les effondrements ont déjà commencé. Et ce qui inquiète le plus Orlov, c'est le fait que dans les sociétés occidentales, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe, le cinquième stade a commencé depuis plutôt longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a commencé vraiment à déstructurer des éléments très profonds dans les sociétés. Et ça présage pas forcément des bonnes choses. Donc voilà, donc nous, on est donc face aujourd'hui à ces deux types d'effondrements, hein, qu'ils soient vraiment structurels ou biophysiques. Et juste pour revenir au modèle du Club de Rome,
Donc c'est un modèle qui a été développé il y a 30 ans, hein. C'est un modèle de simulation. Donc là, en pointillé, on retrouve le modèle business as usual. Donc il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire de la validation de modèle, hein. C'est Turner qui a fait ça. Et on remarque que lorsque on continue à tracer les données sur la simulation, ben, ça match très bien. Et Dominique Midos conclut sur le fait qu'il est désormais trop tard pour le développement durable. Dominique Midos était l'auteur du Club de Rome, hein, la personne qui a dirigé le groupe de recherche. Alors, donc c'est joli toutes ces courbes-là, mais ça reste quand même un peu abstrait. Et je pense que pour agir, on a quand même besoin aussi de comprendre comment tout ça va se manifester en pratique de manière concrète. Alors ça, Lester Brown, il fait des analyses vraiment intéressantes là-dessus, en tout cas très détaillées, très poussées. Et en particulier, il montre que ça va se manifester sous trois formes. Tout d'abord, il va y avoir une émergence d'une géopolitique de la pénurie alimentaire. Il va y avoir des tensions croissantes et des états défaillants. Et enfin, on va devoir faire face à des flots grandissants de réfugiés. Bien entendu, ces trois composantes, elles interagissent, il y a des effets de rétroaction entre eux qui vont amplifier les choses. Hein. Lorsqu'il y a un État qui est défaillant, ben, il va y avoir des flots de réfugiés dans un autre pays qui va déstabiliser l'autre pays, etc. Donc, juste un chiffre quand même là que je donne, c'est que c'est assez inimaginable. Aujourd'hui, en 2016, hein, il y a à peu près une personne sur 100 dans le monde qui est un réfugié. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tous ces trois éléments, hein, donnés par Lester Brown. Je vais juste faire un tout petit focus très rapide sur les états défaillants. C'est un exemple parlant. Donc, il y a un journal qui s'appelle The Foreign Policy et un think tank qui s'appelle The Fund for Peace qui développe, qui maintient un indicateur des états défaillants, un indice des états défaillants. Alors cet indice, en fait, ça fait un certain temps qu'il est développé, hein, donc on peut voir ça dans la durée aujourd'hui. Donc ce que j'ai mis en rouge ici, foncé, c'est les pays qui sont censés être défaillants, vraiment défaillants, qui sont dans une situation extrêmement critique. Et on a aussi des pays qui sont considérés comme étant dans un état très critique. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans le temps, globalement, on a une augmentation du nombre de ces pays, que ce soit le nombre d'États défaillants ou le nombre d'États qui sont en situation critique. Et on peut voir ici, par exemple, que l'Irak et le Nigeria, qui font partie des plus gros producteurs de pétrole dans le monde, donc en 2012, ils étaient 4e et 5e producteurs de pétrole dans le monde, et par exemple que le Pakistan, il détient l'arsenal nucléaire. Donc on peut imaginer la fragilité de tout ça le jour où tout ça va se dégrader. En termes de dynamique, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un effondrement, c'est un processus. Mais en fait, ça va être en fait une succession de chocs avec des paliers. Donc, ces chocs peuvent être plus ou moins violents, des paliers plus ou moins longs. Et il y a une sorte de dynamique, hein, il y a quelque chose qui va créer de l'entraînement et ça peut être plus ou moins rapide, du coup. Alors, ce processus, il sera hétérogène, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver au même moment. De la même façon, donc il n'y aura pas les mêmes déclencheurs et ça ne va pas avoir donc la même profondeur dans tous les endroits du globe. Et un autre caractère très important, c'est qu'on est dans des situations vraiment imprévisibles. Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que bon, il y a eu plein de civilisations qui se sont effondrées, hein, mais par contre, c'est la première fois que c'est global pour toute la planète et que c'est sur tous les fronts. Et aussi, ce qui est pour la première fois, c'est que les risques d'impact pourraient être irréversibles et qu'ils ont une intensité majeure. C'est par exemple pour le cas du changement climatique ou des catastrophes nucléaires. C'est-à-dire que, par exemple, vous imaginez bien que si nos civilisations s'effondrent au stade 4 ou 5, nos centrales nucléaires aujourd'hui, on ne pourra pas les entretenir comme il faut et qu'il pourrait très bien se passer des catastrophes nucléaires importantes. Alors, quoi faire? Alors, ce qu'il y a, c'est que nous sommes en fait en train de détruire la possibilité d'avoir une vie digne, sous-entendu pour tous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et donc, l'option actuellement choisie par les puissants, donc j'entends puissants, on va dire les grands États, les multinationales, voire des individus, hein, on peut penser aux 1% qui détiennent l'essentiel des richesses aujourd'hui. Leur option choisie peut se résumer à chacun pour soi, tirer son épingle du jeu à tout prix. Et on va dire en pratique, ça va se concrétiser par essayer de renforcer sa richesse pour essayer d'augmenter ses chances.
Donc ça, c'est un choix. Ce choix, il peut être motivé, justifié, à bon ou mauvais escient. Ils peuvent être motivés, par exemple, par le fait qu'il y a un imaginaire qui est que l'homme, dans sa nature, par nature, est profondément égoïste, qu'on n'a que ce qu'on mérite, que, de toute façon, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Ce qu'il faut penser, c'est que probablement, c'est une stratégie qui peut, c'est même pas sûr, profiter à ces 1%. Mais par contre, ça va fortement dégrader les conditions de vie, de survie des 99%. Alors, si on ne se résout pas à ça, il nous semble important de se poser la question d'agir alors donc dans quel objectif ? Et donc, la seule réponse qui me paraît faire du sens, c'est donc minimiser la souffrance pour tous et partout. Et ça, ce n'est pas la science qui nous donne cette réponse. Ça, c'est une question de valeur. La science, elle peut nous permettre, par contre, une fois qu'on a choisi une direction, de voir comment on peut atteindre, à la rigueur, l'objectif qu'on s'est fixé et essayer de l'atteindre au mieux. Mais ce n'est pas la science qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc en fait, ce qui va être douloureux, c'est la descente. C'est-à-dire qu'une fois que l'effondrement il aura lieu, on peut penser que ça ira mieux. Et donc pour éviter la souffrance pendant la descente, il faut absolument minimiser la violence des chocs. Donc ça, c'est une question d'amplitude derrière et de vitesse. Et il faut aussi essayer de ne pas descendre trop bas dans les stades d'effondrement. Donc ça, c'est donc des questions d'inertie derrière. Alors, le pas descendre trop bas, ça va être à la fois sur les questions de structure sociétale, donc je l'ai mentionné, il faut essayer de se débrouiller pour que l'effondrement social et culturel n'ait pas lieu, ou le moins possible, on essaie d'aller le moins profondément possible là-dedans. Donc essayer de s'arrêter au stade 3 d'Orlov. Et pour l'environnement, il faut éviter d'arriver au scénario du pire, en particulier par exemple pour le climat. Donc le GIEC, ça fait un certain temps qu'il existe, qui génère des documents, et on est toujours dans les pires scénarios. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est dans les pires scénarios. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont fait des scénarios où on est arrivé à une augmentation de température de plus de 7 degrés en moyenne globale en 2100. Pour arriver justement donc à agir comme il faut, il nous semble important d'adopter donc une démarche d'adaptation. Et d'abord, la première chose à faire, c'est d'accepter l'effondrement, d'accepter l'inévitable. Tenter de conserver le système actuel est probablement vain et probablement contre-productif. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière, c'est que plus l'effondrement sera retardé et plus il risque d'être violent. On pourrait tenter, en tout cas certains sont tentés, d'essayer de préserver le système en améliorant son efficacité. Alors là, il faut se méfier de ça, et en particulier lorsque l'efficacité est directement accolée à une baisse des coûts. Où l'objectif, quelque part, c'est de réduire les coûts. En général, lorsqu'on augmente l'efficacité dans cette vision-là, on a tendance à augmenter la complexité, à spécialiser, à augmenter, à avoir du contrôle, et donc on aura tendance à rigidifier les choses. Et donc là, derrière, on a tendance à diminuer la résilience du système. Et donc, un exemple typique, c'est que l'économie, pour s'optimiser aujourd'hui, pour baisser les coûts et pour essayer d'être plus efficace, on a supprimé les stocks. Aujourd'hui, on a une économie à flux tendu. Et le problème, c'est que le jour où il y a des problèmes, on arrive très vite en rupture de stock et en pénurie et en pénurie de biens. C'est le cas, par exemple, pour les médicaments. Il y a eu quelques alertes cet été, l'été dernier, où des associations et des agences alertaient les pouvoirs publics en disant que au niveau du médicament, on est dans une situation critique parce qu'il y a plus de stock. Voilà, alors pourquoi est-ce que c'est important d'être résilient? C'est parce que le monde est complètement imprévisible aujourd'hui et qu'il va falloir arriver à avoir des systèmes qui s'adaptent le plus vite possible, à moindre coût, donc qui soient le plus souple possible. Alors donc qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique? Donc en fait, j'ai dit un peu ce qu'il ne fallait pas faire ou... en pratique, il faut vraiment arriver à construire un nouveau monde. Donc ça veut dire construire des nouvelles institutions, au sens large, et ces institutions, il faut qu'elles nous permettent à la fois de décider ensemble,
et d'agir ensemble. Donc, dans l'agir ensemble, il y a tout, il y a la question de la production, la question de l'échange. Donc ça peut se manifester donc, sous la forme de développer des monnaies locales, mettre en place des réseaux de distribution comme les AMAP, développer la permaculture au niveau de la production, etc. Donc il y a plein de nouveaux systèmes qu'on peut créer. Et donc ces institutions, elles doivent avoir un certain nombre de propriétés, c'est très important. On doit vraiment viser à ce qu'elles vérifient ces propriétés qui sont résilience, simplicité et polyvalence. Il faut aussi qu'elles soient en phase avec les limites environnementales et qu'elles se localisent à des échelles adaptées, la plus petite possible. Il faut enfin que ce qu'on va créer soit le plus déconnecté possible du système dominant parce que lorsque les choses vont s'effondrer, il faut qu'elles puissent tenir et qu'elles ne s'effondrent pas avec. Donc voilà, mais construire des institutions, ça ne suffira pas. Il faut aussi construire un nouvel imaginaire. Alors ça, on a du mal en général à penser l'importance de ces imaginaires, le poids que ces imaginaires ils ont dans nos vies, dans nos comportements, dans notre vie quotidienne et même dans nos institutions. Alors que le poids, il est phénoménal en fait. Autre chose, on a aussi tendance à penser que nos valeurs et donc nos imaginaires sont universels, qu'ils sont partagés, qu'ils ont toujours été les mêmes. Mais en fait, c'est complètement faux. Et donc, juste, je vais donner quelques exemples qui permettent de comprendre à quel point ces valeurs, elles peuvent structurer la société et elles ont des poids. C'est par exemple donc la question de l'usure. Pendant une très longue période de l'histoire, l'usure était considérée comme un des plus grands fléaux, les plus grandes plaies de l'humanité. Et on essayait vraiment de la combattre violemment. Aujourd'hui, l'usure, ça nous paraît être quelque chose de positif. C'est ce qui permet l'investissement, c'est quelque chose de... C'est complètement légitime. La privatisation du bien commun a été longtemps considérée comme complètement inimaginable. En Inde, aujourd'hui encore, on n'est pas propriétaire des terres. Un autre exemple, ça peut être la Grèce ancienne. Élire un chef à qui on donne beaucoup de pouvoir pour diriger la cité, ça leur paraîtrait complètement crétin, en fait. C'est-à-dire que pour eux, la démocratie, elle ne pouvait être que directe, via du tirage au sort. Et il n'y avait que quelques magistrats un peu spécifiques qui pouvaient être élus, mais ça correspondait à un contexte très particulier. Et ils allaient même plus loin, c'est-à-dire qu'ils pensaient même que, par exemple, l'expertise, elle ne légitimait aucun pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on savait qu'il fallait qu'on donne du pouvoir. Et au contraire, pour eux, c'était plutôt quelque chose qu'il fallait écarter les gens qui savaient du pouvoir. Donc c'est vraiment, ils étaient à l'opposé de ce que nous, on considère comme important. On peut citer aussi l'exemple de l'esclavage, qui nous paraît quelque chose d'impossible, d'horrible, alors que ça a été accepté pendant très très longtemps. Alors, il ne suffit pas non plus de construire, hein, comme vous l'avez expliqué Denis Dupré, il est important aussi de lutter et de se construire soi-même. Lutter tout simplement parce que tout ce qu'on va construire, probablement que ça va déranger, ça va embêter, on va prendre des ressources à d'autres. Donc il y aura certainement beaucoup de personnes qui auront envie de détruire ce qu'on est en train de construire. Et pareil, les imaginaires communs, il n'y en a pas qu'un, il va y en avoir plusieurs, ils seront en compétition, ils seront probablement contradictoires. Et donc la question, ça va être quel imaginaire commun va finalement l'emporter, parce que donc il y en aura plusieurs qui vont émerger. Alors pourquoi vous racontez tout ça? C'est parce qu'il est indispensable d'avoir une vision claire de la situation actuelle dans laquelle on est, et de comprendre aussi les mécanismes qu'il y a là derrière pour ne pas se tromper de combat. On pourrait en effet être tenté de se battre et de tout faire pour essayer de conserver le système existant. Ça serait rassurant, mais ça aussi probablement vain et contre-productif. Pour arriver à avancer dans une bonne direction, il est indispensable d'arriver à accepter l'éventualité d'un effondrement. Donc nous devons le plus rapidement possible construire un nouveau monde pour être capable non seulement de reprendre un bon chemin, mais aussi et surtout pour être capable d'absorber les chocs éventuels pendant l'effondrement. Mais construire ne suffira pas, il faudra aussi lutter pour que d'autres ne détruisent pas ce nouveau monde que nous sommes en train de construire. Mais le combat le plus important va se trouver au niveau des valeurs. Un certain nombre d'imaginaires contradictoires vont s'affronter. Ces périodes de basculement d'imaginaires collectifs sont imprévisibles et ces basculements sont rares.
Or, aujourd'hui, ce que je constate partout, c'est que les gens sont en souffrance. Cette souffrance est liée au fait qu'on a le sentiment que nos vies ne font plus sens. Cette perte de sens me semble être très largement liée au fait que les imaginaires communs qu'on nous impose ne sont plus en phase avec ce que nous ressentons. Donc on pourrait voir ainsi cet effondrement comme une opportunité qui nous permettrait de construire un nouveau monde qui offrirait plus de justice, plus d'égalité, qui permettrait aux individus de vivre en harmonie avec les autres, avec eux-mêmes et avec la nature.